Yo les gars, c'est Ensu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On va s'ouvrir des petites cartes Pokémon et japonaises. Je crois que c'est l'une des premières fois que j'en ouvre. J'en ai déjà ouvert des petits boosters par-ci par-là quand j'étais au Japon, ou je crois que j'en avais déjà acheté quelques boîtes, mais pas des displays comme ça. Donc là, c'est des vrais displays japonaises très stylés. Je vous préviens au cas où, mais il y a tout le monde chez moi, même mon chien et tout. Donc si vous entendez plein de bruit, plein d'aboiements, ça va un peu me casser les couilles. Mais du coup, on va commencer tout de suite. Donc, on en a deux. Parce que je me suis dit, pourquoi en prendre qu'une seule quand on peut en prendre deux? Alors, comment ça s'ouvre? Là, il y a une petite languette. Hop, j'ai pas envie de trop l'abîmer. La petite languette, ça dégage. Et donc là, quand on ouvre, c'est comme ça. Magnifique. C'est dommage parce que les displays japonaises sont assez petites. Donc, normalement, je crois qu'il y a 10 boosters. En France, il y en a genre 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bon, on va pas les laisser dans la boîte. On va les sortir. Et puis, let's go. On va ouvrir la deuxième boîte plus tard. J'ai déjà enlevé le film plastique autour. Donc, voilà. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est clairement Dracaufeu. Alors, d'ailleurs, comment ça s'ouvre? Là, je crois qu'il y a une languette. Ah, je crois que j'ai un peu raté, je crois. Attendez. Wesh, mec, ça a l'air trop bizarre. J'ai pas l'habitude. D'habitude, moi, c'est des Français que j'ouvre. Wesh, mec, c'est trop dur. Bon, peut-être par le haut, comme ça. Bon, je sais pas comment on va s'y prendre, mais au fur et à mesure de la vidéo, je réussirai un peu mieux à ouvrir. Wesh, c'est galère. Ok, c'est bon. Hop, le booster, on va le mettre là-bas. Alors, je sais pas s'il faut faire un 1, 2, 3, 4, je sais pas quoi. Donc, on va pas en faire pour le premier. Du coup, c'est parti. Forgelina, Coiffeton, Rockcool. Ah, bon, on est déjà à l'holo. Ok. Une deuxième holo. Une reverse. Ok. Elle brille trop bizarrement, c'est stylé. Une ex. Oh! Une ex. Ok, à la Casamex. Et derrière, on a quoi? Des petits trainers. Ok, donc c'est 1, 2, 3 devant. Ok. Au moins, on sait pour après. C'est cool. Alors, je vais mettre mes cartes là-bas, les gars. Vous voyez pas. Alors, je vais mettre ça. Attendez. Comme ça, je vais m'organiser. Boum. Et je vais mettre les cartes juste là. Magnifique. Avec les reverse et les holo juste là. Voilà. Comme ça, on se perd pas. Du coup, c'est parti, on continue. Let's go. Alors, comment du coup on ouvre le petit booster? Moi, j'ai encore raté. Mec, c'est trop dur. Je vous promets, c'est trop dur. Attendez. Vas-y, je le déchique, au pire, c'est pas grave. Donc, objectif, Dracaufeu Shiny. Aussi, les golds, elles sont jolies. Et puis, sinon, juste des Shiny, c'est cool. Ok. Fulgu, machin. Clavel, non, Clove. Olivini, Topico, Doduo. Première machin. Je crois que c'est obligatoire deux holos, non? Et c'est là qu'on peut avoir quelque chose. Ou non, peut-être pas. Je sais pas. Et. Oh! Waouh! Nice! Une ex Terra Crystal. J'aime beaucoup les cartes Terra Crystal. C'est vraiment cool. Ok, cool. Du coup, je sais pas si c'est à la deuxième holo ou à la reverse qu'on a une ultra. Alors du coup, attendez, on va tester une nouvelle technique pour ouvrir. Ouais, non, c'est nul. Mec, mais c'est quoi ça? C'est impossible à ouvrir, je vous promets. Les boosters, ils sont compactés. Mais je vais devoir les déchiqueter malheureusement, mais c'est comme ça. Les boosters français sont tellement plus simples à ouvrir. Alors que là, il y a juste une languette, donc c'est censé être simple. Ok, Tauros. Très stylé. Je sais plus son blaze, lui, Pepper. Orchid, je sais plus. Pimito, Scorpion. Entei, Raichu Holo. Une autre reverse de Kadabra. C'est longtemps qu'on ne l'avait pas vu, celui-là. Et. Oh, UUX. Très stylé. Alors, j'ai l'impression que c'est obligé d'avoir des. T'es obligé d'avoir des ex, des trucs comme ça. En vrai, c'est sympa. Ça veut dire que t'as 10 ultras. Donc en vrai, c'est cool. Oh, trop bien. Oui, il s'est ouvert trop bien celui-là. Ok, nice. 1, 2, 3. Hop là.
Patachio, ou non, je crois que c'est l'évolution. Un petit bonbon, colo singe, mordu d'or, pomme des pics, roups, arboliva. Allez, j'aimerais bien une petite shiny, ça ferait plaisir, s'il vous plaît. Oh, nice! C'est Amacel, je crois. Bon, c'est clairement l'un des pires, mais... Et, oh, Coraidon. Ok, cool, cool. Amacel, pas mal. Pas mal, pas mal. Hop. Du coup, c'est bien dans la place de la reverse. C'est ce que je pensais. Ah ouais, j'ai trouvé la meilleure technique pour ouvrir. Par derrière. Enfin, on se comprend. Ok. Tiens la pêche. Je pense que la deuxième boîte... Ouais, non, je vais quand même l'ouvrir. En fait, comme je l'ai enlevé du protège du film plastique, si je l'aurais pas enlevé du film plastique, j'aurais pu la garder scellée. Genre, si jamais j'aurais eu un Dracaufeu, par exemple. Alisma, Cotovol. S, ça veut dire quoi? Oh, shiny. Ok. C'est Wigool en anglais, je crois. Goelis. Et Chungjangjong. Ok, pas mal. Bon, je préfère des full art. De toute façon, normalement, dans les boîtes japonaises, on a forcément une full art. Aïe. Ah bah, en fait, ma technique, elle marche une fois sur deux. Bon, bah là ça n'a pas marché. On va y aller à l'ancienne. Ouais, c'est trop dur. Je vous promets. Comment c'est possible de... Mec. Non, celui-là, il va jamais s'ouvrir. Oh, il va jamais s'ouvrir. Oh non, frère, je vais défoncer les cartes. Oh, nice. Waouh. Je l'ai déchiqueté, le booster. Regardez comment. Ouais, c'est une dinguerie. Alors, attendez, je me gratte. Hop. 1, 2, 3. C'est parti. Let's go. Énergie multicolore, incolore, je sais pas quoi. Mime Junior. Oh, je suis la même, presque. En triple. Patachio, du coup, c'est celui-là. Un sécateur. Pikachu, très mignon. Électrode. Du coup, là, on a rien, évidemment. Olim, c'est après. Donc là, c'est pas un shiny, il n'y a pas marqué S. Donc, Topico. Et derrière, un petit Rocarnage, tout simplement. Ok. Ça fait trop bizarre, parce que du coup, frère, t'as 40 000 ex. Mais du coup, elles doivent valoir même pas un euro. Vu que c'est des ex un peu garantis. Allez, on continue. Il nous reste 3 boosters avec celui-là. Cornèbre. Oh, très stylé. Eux, je les ai jamais vus dans le jeu, parce qu'ils n'existent pas, peut-être. Chien... Non, chien de rien du tout. Gondog. Salarsen. Dodrio. Dommage. Olivado. Terrestre. Magnifique avec son attaque. Quand les pics sortent comme ça, c'est vraiment stylé. Boum. Et boum. Ok, on continue. Ah non, il nous reste 3 boosters encore. Attends, mais... Non. Allez, let's go. Ok, faut forcer un peu. Faut forcer un peu, mais ça va venir. Ok, les 3 là. Boum, boum, boum. Let's go. Machin bidule. Tauros, mais cette fois de l'eau. Clavel. Baudrive. Lebouleroo. Lixi. Gigachad. Flagados. Allez. Une full art, s'il vous plaît. Non, mais une shiny. Psy, il n'y a pas beaucoup de Pokémon cool, je pense. Galam, peut-être. Non, Xatu. Pourquoi pas. Et ce truc-là, Floric-là. Ok, lourd. Bon, du coup, toutes les cartes, les gars, je les pose sur mon lit. Mais elles sont pas abîmées, elles sont juste posées. Et pas les unes sur les autres. Mais bon, vu que c'est que des ex, pour l'instant, et des shiny... Pas la peine de les protéger. Et puis je les mettrai dans mon classeur après. Je sais même pas si je leur mettrai tous une pochette. Peut-être juste les shiny. Parce que si je mets une pochette à 20 ex, ça va être chiant. Giovanni. Lucario. Lui, je le veux trop en shiny. Je crois qu'il y a en plus. Faible Ball. Germécla. Floravol. Rondoudou. Non, c'est pas Genos, ça. C'est Gétis, je crois. Klefki. Pas de shiny, le petit gourmelet. Et j'espère qu'on n'a pas la full art maintenant, ça serait vraiment chiant. Ok, t'as pas de OS, tant mieux.
Ok, bah du coup, dernier booster. Et si on n'a pas de foulard, c'est-à-dire que c'est pas garanti. Et donc les boîtes japonaises ont changé. Et ça serait vraiment triste. Hop. Ce serait vraiment triste. Normalement, c'est good. Ok. On va bien aplatir les cartes. Trio Pico. Centre commercial. Je sais pas. Récupérateur d'énergie. Forgette, non? Ramolos. Goélis. Fulguris. Brutalibré. Et allez, là, faut qu'on voit une full art. Nice! Oh, nice! Nice, 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 nice. Ok. Ça peut pas être Dracaufeu, je pense. Wesh, 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 wesh. Oh là 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 là. Mec, je suis béni. Mais c'est quoi le... Oh mon Dieu. Attendez, bougez pas. Et derrière, il y a quoi? J'en bats les couilles. Oh. Wesh, il y a une... Attendez, wesh. Derrière, il y a une reverse. Oh, mec. Non, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le dernier booster. Non, non, c'est trop. Attendez, là, je le protège. Là, attendez. Bougez pas. Là, il mérite 40 pochettes, le frérot. Hop. Et même une sleeve de baiser. Un top loader. Oh, mec, la dinguerie. Attendez. Attendez, je vais le taper par terre. Bougez pas. Oh là 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 là. Non, mec, mais c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. Attends, mais du coup, j'aurais pu garder la deuxième boîte scellée. Limite, je la revendais. Wesh. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Mais comment c'est possible? Mais qu'est-ce que j'en fais de la deuxième boîte? Je l'ouvre ou pas? Vous savez quoi, ce qu'on va faire? Je vais couper cette vidéo maintenant. Et à la limite, il y aura une deuxième partie pour la deuxième boîte. Parce qu'en fait, comme j'ai enlevé le film plastique, je vais pas garder la boîte scellée à moitié, tu vois. Genre, elle est à moitié scellée, la boîte. Après, on peut pas l'ouvrir et tout, elle est scellée encore. Mais il n'y a plus le film plastique parce que je l'ai enlevé. Parce que je me suis dit, quand je vais faire la vidéo, si je laisse le film plastique, c'est chiant. Tu vois, je vais devoir l'enlever au ciseau, c'était galère. Oh. Putain. Mec, c'est une dinguerie. Ouais, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Puis la deuxième partie arrivera très bientôt. Ciao!